Il s'agit de la machine à élever l'eau par la force de la vapeur. Donc pour cela, nous avons besoin de vapeur que nous allons concentrer dans cette boule métallique. Donc à l'aide du feu, on remplit avec une trentaine de litres d'eau, on fait chauffer, on obtient une vapeur à peu près à 5 bars de pression. La pression est limitée par la soupape de sécurité inventée par M. Papin, qui à l'aide d'un contrepoids permet de limiter la vapeur suivant le poids qu'on lui met sur cette tige ou suivant la distance à laquelle on le met. Donc grâce à cette soupape, on est en toute sécurité sur la vapeur. Nous avons 5 bars de vapeur qui permettent d'avoir une pression assez importante pour pouvoir élever l'eau. Dans cette machine, il y a aussi un réservoir d'eau qui permet de faire fonctionner la machine sur plusieurs cycles. Dans cette réserve, nous avons à peu près 20 à 30 litres d'eau que nous remplissons avec des seaux. Cette réserve d'eau permet d'alimenter le cylindre flotteur. Ce cylindre flotteur est composé d'un cylindre hermétique dans lequel on a mis un flotteur en bois. Quand on remplit d'eau, il remonte, il flotte simplement et il se met en haut. Une fois qu'on est plein, on ferme la vanne du réservoir, on ouvre la vanne de la sortie à 6 mètres de haut, on ouvre la vapeur, cette vapeur sous pression 5 bars vient enfoncer le flotteur pour renvoyer l'eau vers le haut. Et ce cycle peut être reproduit infiniment si on a une réserve d'eau et de vapeur assez grande.